Je me souviendrai toujours de mes vacances en Savoie. J'ai appris l'escalade et les bien faire à dents. Je me baladais à course de vélo, apaiser nos voix. Je me rappelle avoir volé vu les nuages au-dessus. J'ai vu le toit de la France, celui qu'ils appellent le mouvement. Quand j'ouvre mes volets, le décor était tout blanc. Et l'océan de nuit, j'entendais les anges et leurs chants. Plus près du ciel que jamais, je n'oublierai pas ce sentiment. Rastafari, à la Wakbar, alléluia, abracadabra. Pas besoin de drogue antéogène pour aligner les chakras. Pas besoin de chamanisme, pas besoin de douille de salva. Pour faire son introspection, pour connaître Dieu et connaître ça. J'ai marché des journées entières, puis squatté dans les refuges. Je suis descendu, je suis monté en 4x4 et en luge. Les esprits de la montagne ont changé quelque chose en moi. Pour la vie à l'infini, indéfinissable, crois-moi. Un petit coin de paradis pour les fans d'alpinisme. Je conseille cette région aux adeptes du bouddhisme. Il n'y a pas mieux dans l'hexagone pour faire du tourisme. Et trouver des milliers de pierres pleines de cristaux et de pluie. À 4000 mètres d'altitude, l'air est plus pur qu'à Paris. Je ne veux plus étouffer, je veux vivre une même. Me baigner dans les lacs, pas des fleurs polluées. Je veux voir des marmottes et pas des gens déprimés.